dois juste relever mes pièges à ours, c'est tout. La viande d'ours, c'est très bon pour moi. Ah oui, j'aime ça, oui. C'est pas toucher la viande de petite fille depuis un sacré moment. Il me laisse plus toucher, non, non, non. Y a pas de viande de petite fille pour Mallory. Mallory s'est remis de tout ça. Il est sage maintenant. Il est sage. Il m'avait dit que Glibert arriverait. Qu'est-ce qu'il fait? Où tu te trouves, Glibert? Mon petit, Glibert. Oh mon Dieu, c'est lui qui arrive là-bas. Je vais ranger mon couteau. Un joli cheval vient de dire. Glibert, mon vieil ami, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu là. Presque sobre en plus. Tu es un cannibale, c'est ça? Glibert, tu sais bien que je suis un chasseur. Je ne travaille plus avec les cannibales depuis au moins 3-4 ans. Gentil canasson, gentil. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Glibert? Pas grand-chose. Viens, il y a mon camp plus loin. Viens te réchauffer, mon feu. Insiste. J'ai entendu qu'il y avait eu du vilain avec ce Marshall venu de Washington. T'es pas bien causant, Glibert. Viens là, viens près de mon feu. Le feu de Mallory. Mais pourquoi, Glibert? J'ai toujours vécu ici. Il y a un petit peu de café dans cette théière, si tu veux. C'est là. Dis-moi, qu'est-ce que je peux porter? J'enquête sur la région, c'était. La région? Ouais. Regarde, c'est une pleine lune de Glibert. La pleine lune. T'as vu ça? Ça me rassure pas beaucoup. Et pourquoi? Tu sais que t'as toujours des amis parmi les cannibales et Glibert. On se souvient de ton grand-père, hein? C'était pas le dernier pour un joli quartier de chair. C'est pas vrai, ça, hein? Je veux pas entendre parler de... Le goût de la chair, ça se transmet dans le sang, Glibert. J'adore ton cheval. Laisse mon cheval tranquille. Il se pourrait que j'ai des informations pour toi, Glibert. La vieille cabane de Rora Bassin est habitée depuis quelque temps. Et par qui? Oh, pas un gentil gars, pour sûr. Mais je peux te mener à lui si tu veux. J'aimerais. Bien sûr, moi, Glibert. Est-ce que ce Marshall a été blessé mortellement? On est libéré de lui? Sa cuisse est lacérée. Une griffure d'ours. Oh, j'aime pas bien les ours, moi, Glibert. Regarde, j'ai d'en tuer un tout juste. Ah oui. Ah, j'aime pas ça, les ours, hein? Tu sais que je me tiens à l'écart des cannibales et je me tiens à l'écart des Indiens. J'ai rien à voir avec eux, moi. Les Indiens. Regarde, c'est allumé, je crois bien. Je vois ça. À quoi te sert ce fusil, Glibert? T'es le bienvenu ici, tu as des amis parmi nous. Et les ours? M'accueille bien, eux. Oh, je sais pas, ça, hein. Moi, j'ai pas la sottise d'aller traîner à Beer Close. Regarde, c'est allumé. Tu devrais le toquer à la porte, hein, mais ta vie qui t'attend peut-être, avec une bouilloire de thé. Quel nom, ce gars? Je sais pas, c'est juste un ermite qui descend du des montagnes pour les saisons froides. Sacré barbu, là, costaud comme tout. Y'a quelqu'un? Tu devrais rentrer, Glibert. Le surprendre dans son lit, comme qui dirait, c'est pas un gars très affable. Rentre pas chez les gens comme ça. Bien sûr, Glibert. Y'a à y avoir personne. Mais rentre enfin! Ça se trouve, il est caché en train de t'attendre, que sais-je? Tu veux que je rentre en premier? Vas-y.
Regarde, y'a personne, y'a rien à craindre ici. C'est aussi vide que tout. Tu sais que tu poses des questions gênantes dans le moment, Gliber. Ça plaît pas trop à certaines personnes. Les personnes comme qui? Je suis désolé, Gliber. Ils m'ont forcé. Ils m'ont forcé, gars. Ils m'ont forcé, Gliber. Arrête. Ah, je vais parler. Je vais parler, Gliber. Je vais dire tout ce qui se trame. T'as intérêt. Je vais te le dire en enfer, gars.